Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve en vue GoPro pour la première fois en super motard. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon ressenti, des modifications que j'ai fait sur la moto. Donc on est parti, on va faire une petite balade. Donc écoutez, petit spoiler. C'est vraiment dingue. On va commencer par les modifications que j'ai fait. Donc comme vous le voyez, vous l'avez certainement vu dans la vidéo, voilà, il y a les jantes, les pneus, je crois que c'est des Pilote Sport RS. Donc c'est des pneus pour la route, c'est pas du tout fait pour faire et route et chemin. Mais je m'en fiche, j'ai pas prévu de faire de chemin avec. Donc de ce côté là ça me dérange pas du tout. Ensuite, j'ai mis deux disques. Donc les disques que j'ai mis, c'est des Motomaster. Voilà, je sais que c'était une marque qui était fiable. Et le rapport qualité-prix est juste dingue. Current 20, le kit chain, j'ai aussi un pignon que j'ai pas monté. Donc, voilà, je vous parlerai des pièces que je veux monter, des modifications que je veux faire juste après. Avec ça, ben écoutez, c'est pas grand chose, hein. C'est à peu près tout. J'ai mis le pot, donc un FMF qui craque de ouf. Faut que je fasse régler l'injection parce que quand on change le pot, effectivement, ça change un petit peu la façon dont la moto respire. Donc va falloir changer tout ça. Alors, les modifications à venir, donc l'injection, comme j'ai dit, réglée. Donc, je pense que ça va la libérer encore un petit peu plus. Après, le dilemme, c'est au niveau du freinage. Alors pour le moment, je trouve que le disque à l'avant, il mord grave. Je suis en 270 avec le disque Motomaster. Je trouve que ça répond vraiment bien. Après, à voir. Ouais, j'essaie une autre moto pour vous dire. Mais je veux dire, là, si je freine, hop, je pars en roue avant, vous voyez. Donc il n'y a pas de souci. Le frein arrière, ça freine de fou. Ce que je vais changer sûrement, c'est le garde-boue avant. Je vais voir pour mettre un garde-boue avant des nouvelles crosses. Donc chez Yamaha, bien sûr. Voir comment ça passe. Si ça passe pas, ben, j'essaierai de trouver un garde-boue vraiment super motard. Parce que celui-là, le problème, c'est que il est fait pour les roues d'enduro et de cross qui sont plus grosses. Donc en fait, là, ce qui fait bizarre, c'est qu'il dépasse un petit peu plus que la roue. Mais ça donne un look un petit peu bizarre. Après, vous êtes nombreux à pas aimer la plaque phare. En fait, je sais ce que vous aimez pas, c'est pas la plaque phare. C'est juste que pour loger tout le système en fait d'homologation et voilà, le compteur, tous les voyants, tout ça, qui sont utiles et que j'aimerais bien garder. La plaque phare, si vous voulez, regardez, elle est grave en avant. En fait, elle est fixée en avant pour pouvoir loger tout ça. Donc ça, je vais essayer d'y réarranger la plaque phare, la mettre comme il faut. Et vous allez voir, c'est une bombe. Je vous mets une photo de la moto sans tous ces instruments avec cette plaque phare. Je vous la mets maintenant. Et je sais pas ce que vous en pensez, c'est vraiment une dinguerie. Et en fait, c'est pas que la plaque phare est pas belle, c'est juste qu'ils ont dû loger tout ça en fait pour homologuer la moto. Et c'est pour ça que bah, c'est compliqué de coller ça devant. Donc voilà. Mais franchement, ça va être une dinguerie. Et puis le FMF, c'est vraiment. Le FMF est vraiment dingue. C'est. De ouf là à chaque fois que je passe. Donc ça, c'est les endroits où j'ai filmé la vidéo présentation. Oula, il y a des travaux. Faire attention, pas aller trop vite. Vous l'attendez, je vais vous en parler, les sensations. Alors vous le savez, c'est mon premier super motard. C'est la première fois que j'essaye un super motard. J'en avais juste essayé un dans la rue de chez moi. Et c'était pas un vrai super motard. Donc ouais, j'ai pas eu la sensation, j'avais juste fait une ligne droite, donc accélérer, c'était un 6,90. Donc juste accélérer, faire une ligne droite et faire demi-tour. J'ai pas eu les sensations de tourner, de faire les roues arrière, les roues avant. Et je vous ai expliqué.
Alors, venant de l'enduro, enduro cross, on va dire que ça, les sensations se ressemblent. Ce qui m'a vraiment fait bizarre, c'est tout simplement en fait le grip. En enduro, on peut jamais mettre gaz à fond parce que sinon ça glisse dans un virage à plat. En cross, pareil. Là, alors bien sûr, faut faire attention, faut pas accélérer comme un débile n'importe où, mais vous avez une adhérence qui est juste dingue. Et encore plus, voilà, si vous êtes un jour où il fait beau et qu'il fait chaud, vous avez bien chauffé vos pneus. Ça accroche, mais d'une façon, c'est tout bonnement incroyable. Ça, c'est vraiment impressionnant. Aussi, ça m'a vraiment fait bizarre, c'est qu'en enduro, en général, on a des traces. Et cette trace, en général, c'est pas une spéciale vierge, t'es sur une spéciale avec des ornières ou des... Tu peux forcément prendre la trace que tu veux. Sur la route, c'est plat, t'as rien. Et c'est là que t'apprends vraiment à prendre des trajectoires. Donc, je m'améliore petit à petit. Vous voyez, ça, c'est dangereux, ça glisse. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Des fois, on se dit, ah, là, je suis à la corde. Et en fait, tu te rends compte que pas du tout. Et en fait, t'es comme un con à l'intérieur du virage comme ça. T'aurais pu passer beaucoup plus vite parce qu'en fait, c'était pas du tout la corde. Et ça fait bizarre. On se rend vraiment pas compte. Au niveau des sensations aussi, ce qui est incroyable, bah comme je l'ai dit, c'est le grip, donc que ce soit quand t'accélères ou alors bah quand tu freines, on va vérifier, tu freines à peine, ça part en roue avant, et voilà, tu as juste à faire ça, puis au niveau des roues arrière, voilà, j'en parle, c'est pas un truc très important, mais c'est toujours assez fun. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile de cabrer la moto avec un super mode. Je pense que c'est à cause de la taille des roues. En revanche, pour tenir la moto sur la longueur, c'est beaucoup plus simple. J'y arrive beaucoup mieux, je pense, c'est parce qu'il y a moins de vibrations avec le bitume notamment. On a plus d'adhérence. Et surtout, la roue est vraiment lisse. Donc, l'équilibre sur les côtés, il va vraiment 15 fois mieux. Et je vous dis ça, c'est... Je vais vous dire, la moto, je l'ai eu en super mode. Je vais aller faire quelques petites roues arrière, forcément pour essayer. J'ai vu une différence, mais incroyable. Donc la moto est beaucoup plus dure à faire lever. Et une fois que vous êtes levé, c'est beaucoup plus simple, je trouve. C'est peut-être une perception, je sais pas. Mais franchement, j'ai vraiment eu cette impression-là. Ce qui fait plaisir, c'est que en enduro, on est dans les bois. Et quand on a un 4,5, c'est difficile de le faire crier. Ça, je peux vous le dire. Et bah là ça fait plaisir parce que bah, sur la route tu peux ouvrir quand tu veux. Et voilà. Et forcément ça fait plaisir, faut pas se le cacher, voilà. On va être honnête. Ce qui fait grave bizarre en revanche, c'est qu'en enduro on n'a pas forcément besoin d'aller vite pour se faire plaisir. On peut être dans un petit single, caler ses roues, on peut faire des petites marches, un petit chemin qui monte, qui descend, qui tourne, des petites pierres, des ornières, des trucs comme ça. Même en spécial, on se rend compte qu'on va pas forcément très vite. En super mode, et vous avez vu, je roule tranquillement parce que je parle. Et mon but, c'est pas de faire la course parce que sur la route, que ce soit en super mode, en moto de route, peu importe, mais je parle du super mode parce que je suis habitué à l'enduro. On peut dire la moindre erreur peut vraiment vous être fatale. Parce que là c'est facile à dire, je suis déjà à 60 et j'ai l'impression de me traîner, j'ai l'impression que je suis à 30. Et donc ça veut dire si vous voulez vraiment aller à la limite, mais vous êtes passé les virages à 100, 120, des trucs comme ça. Et là faut nique la roue, elle chasse, que ce soit la roue arrière ou la roue avant. Nique quelqu'un qui arrive et qui coupe le virage, ou alors que vous ratiez votre... vous discerniez mal le virage, vous ratiez votre virage. Parce que là, je peux vous dire, à cette vitesse-là, ça pardonne pas du tout. Donc ça fait vraiment peur. C'est aussi pourquoi ça fait quelques années que je réfléchis au super mode. Si je veux ça, c'est vraiment pour me balader avec les potes, faire des roues arrière, des roues avant, faire plaisir, aller dans des petits virages comme ça, où on peut pas passer non plus à 140, parce que j'ai pas envie de me satelliser, de finir en fauteuil, ou de, bah, écoutez, de quitter ce monde, on va dire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas négligeable.
Alors je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, t'es pas drôle et tout, tu flippes. Mais je peux dire que quand vous avez des gens plus ou moins proches de vous qui perdent la vie en moto, ça vous fait réfléchir. Et que ce soit cette personne qui devienne handicapée ou cette personne qui perd la vie, que ce soit pour lui ou pour les proches, dans les deux cas je peux vous dire ça vous fait bizarre et vous réfléchissez à deux fois après. Donc voilà, petite parenthèse, justement voilà, un super mode, certes vous sentez pousser des ailes si vous faites de l'enduro, mais c'est pas pour ça qu'il faut forcément faire des dingueries, parce que justement c'est là que les problèmes arrivent. Et comme je vous l'ai dit, on se rend vraiment pas compte de la vitesse. Et à tout moment, il peut y avoir un problème. Donc faut vraiment, vraiment, vraiment faire gaffe. C'est vraiment incroyable. Je pensais jamais dire ça, mais c'est incroyable. Je vous amène ici, c'est là où je vais vous amener, un petit aperçu de l'Auvergne. Voilà, regardez ce que ça donne. Hop, à perte de vue de la nature. Et oui, voilà, bon bref hein. On aime ou on n'aime pas, mais voilà, c'est beau. Je voulais aussi vous parler de ça. Alors j'ai eu l'expérience. J'ai eu des deux temps en enduro, certes pas en super motard, mais quand on fait de l'enduro, on est toujours amené à faire de la route. Et j'ai un deux temps à la maison qui attend voilà, le dévoilement. Et je peux vous confirmer les gars, si vous voulez vraiment faire du super mot, ça sert à rien du tout, genre rien du tout, selon moi, de prendre un deux temps. Je trouve pas ça intéressant du tout. Ça va être la galère, déjà ça consomme de fou et vous êtes tiré tout le temps dedans. Donc vous allez devoir faire le plein ultra souvent, genre en balade. Si vous faites une après-midi de balade, je pense que vous allez passer un plein et demi, deux pleins, facile. Au niveau des régimes constants, ça veut dire si vous devez être à 80 pendant 10 minutes, la moto déjà elle aime pas. Et c'est pas du tout agréable. C'est beaucoup moins agréable qu'avec un 4 temps. Alors certes vous avez le petit fun du 2 temps, mais le problème c'est si vous voulez que ce soit intéressant, il faut que la moto elle puisse aussi tirer long, on va dire. Voilà, parce que si vous êtes bloqué à 115 comme un enduro, vous allez vite vous faire chier hein, je vous le dis concrètement. Et donc en fait ça va castrer un petit peu le fun du deux temps, le petit boop boop boop, la nervosité. Et je trouve que c'est inutile, tout simplement. Je vois pas le principe de prendre un deux temps si c'est pour ça. C'est complètement inutile. Du coup ça va être un peu un veau, je trouve. Et voilà, je trouve pas ça utile, en tout cas pour l'utilisation que j'en fais, c'est à dire voilà, balader sur la route, faire des petites routes, parce qu'on reprend rapidement de la vitesse sur circuit de kart ou de super mot. Je pense que c'est franchement super fun. Donc si vous faites cette utilisation là, je peux comprendre. Et sinon c'est vrai que je vois pas l'intérêt. C'est un choix, peut-être que je me trompe, mais en tout cas je pense que le 4 temps pour super mode, pour faire ce que je fais, aller sur la route, il n'y a rien de mieux. Voilà. C'est vraiment le top du top, il n'y a pas de mélange à faire. Donc ça veut dire, même si la moto consomme, et elle consommera beaucoup moins qu'un 2 temps, ce qui se passe c'est que bah, tout simplement vous n'avez pas le mélange à faire. Et ça c'est un gros avantage. Que vous n'avez pas envie de vous balader avec votre bidon de mélange, vous n'avez pas envie de faire à chaque fois le plein, faire le mélange, les pourcentages, les machins. Je peux vous dire, c'est un calvaire à faire. Quand on est habitué, qu'on a un gros bidon de 30 litres dans le garage, c'est pas grave, on le fait une fois, mais quand faut le faire à chaque fois à la pompe, parce que la moto a pas assez d'essence pour finir la balade, je peux vous dire, c'est vraiment, vraiment pénible. Ce virage là, il est grave dangereux. Je prends toujours les précautions parce qu'il est interminable. Ça fait bizarre parce que on sait pas où est la limite par rapport au fait qu'on penche. Ça veut dire là je penche, je sais pas si je suis penché beaucoup, si
j'ai beaucoup de marge ou pas. Alors qu'en enduro, c'est beaucoup plus simple de voir, tu sens que ça glisse. Et là, comme je l'ai dit, il faut pas que ça glisse. Parce que là, t'es pas à 30 dans une ordière ou quelque chose comme ça. Là, ça pardonnera pas. Alors là, super beau village. Vous allez voir, il y a une vue tout simplement magnifique. Mélodie, mais cette mélodie, regardez, ça c'est beau. Et là il y a plein de codes pour faire de l'enduro. Ça c'est secret, ça c'est secret. Vous voyez, là on est rapidement très très vite. Et je tiens même pas dedans. C'est pour ça, c'est ultra dangereux. Je préfère faire un peu de balade et pas tirer la bourre tout le temps. Oh, une petite bête. J'ai trouvé que c'était intéressant. C'était de on a souvent le réflexe de sortir le pied là quand on n'est pas penché, notamment bah, si on est dans des virages à plat, sur de l'herbe, des spéciales en herbe, on a tendance à sortir le pied même si on penche pas beaucoup. Et en fait, le fait de rester les deux pieds, bah, vous le savez, hein, et d'appuyer sur les deux pieds, ça avec du grip et ça vous permet de passer plus vite sans déraper, etc., etc. Et en fait, on a toujours cette peur quand on est penché de si vous voulez tomber. C'est pour ça qu'on sort un peu le pied. Alors quand on fait la moto de route, qu'on se fait comme ça, on sort pas le pied, c'est pas, on a pas cette envie là. Mais quand on reste un peu plus statique et qu'on a un petit peu la position de l'enduro, on a vraiment cette envie de sortir le pied. Et repousser cette envie là, je trouve que ça m'aide en tout cas un tout petit peu pour le moment, et de plus en plus à prendre les virages en enduro, parce que j'ai plus la sensation de pencher plus souvent, plus naturellement, et plus de confiance à garder les deux pieds sur les cale-pieds, ou à remettre les pieds sur les cale-pieds tôt. C'est ça qu'on veut. Oh, j'ai un petit peu trop remonté celui-là, peut-être. La prochaine étape, bien sûr, bah, c'est essayer de faire des petites glisses au freinage, tout ça. Les stoppies, c'est pas dur, hein. ça c'est fait. Les wheelings, ma bavette, s'entraîner petit à petit. Alors j'ai toujours les bottes, j'arrive à vraiment gérer le point d'équilibre plutôt facilement avec le pied, donc ça veut dire rester à peu près à la même vitesse. Je suis encore un peu loin de la bavette quand même, mais avec les bottes, je vous avoue, c'est un peu un petit challenge que je prends à cœur, hein, parce que voilà, je veux m'entraîner avec les bottes, même s'il m'arrive des fois, voilà, après les cours, je vais juste à côté de chez moi, je fais un petit tour et 5-10 minutes, et c'est là que justement, je prends le temps et je fais 2-3 petits trous arrière, 4-5 minutes, et voilà. Je vais vous laisser là, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Ça fait grave plaisir, voilà, plein de choses qui arrivent là dedans. J'ai pas trop le temps, là je rentre de cours, il est 19h, je fais cette petite vidéo. Mais je vous ai dit, voilà, l'enduro arrive très bientôt. Je vais la rendre toute belle et après je vous montre ça, j'ai qu'une hâte. Franchement, cette moto c'est une dinguerie. Voilà, certainement la moto que je préfère pour le moment de toutes les motos que j'ai eues pour l'enduro. Et voilà, super content, hâte de vous montrer. Et je vous en dis pas plus. Protégez-vous, voilà. Faites attention à vous, faites-vous plaisir. Et puis écoutez, je vous dis gaz, hein.